Fenerbahçe'nin yeni transferi açıklamalarda bulunuyor, izliyoruz. Hazırız. Az sonra basın toplantısı düzenlenecek. Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla gerçekten iyi iş çıkarmıştı Mametiyam. Süper Lig'de sezonun önemli isimlerinden biri olmuştu. Basın toplantısı başladı. Takip ediyoruz. Ouais, je suis vraiment content. On est là. Je suis arrivé. On s'entraîne. Et pour le stage, c'est vraiment important pour entraîner, pour se connaître mieux avec l'équipe. Et j'espère qu'on va faire une bonne préparation pour la saison qui va venir. Evet, burada olduğum için oldukça mutlu olduğumu öncelikle ifade etmek isterim. Yeni geldim biliyorsunuz ve şu an itibariyle önemli bir kamp geçirmekteyiz takım olarak. Tabii ki birbirimizi tanımak adına buradaki kamp ortamı ve antrenmanlar çok önemli. Umuyorum ki hep birlikte iyi bir şekilde hazırlanıp lige, ligde bunun artılarını görürüz. Süleyman Bey. Alors, bon courage, premièrement. Il y avait plusieurs joueurs de Sénégalais, ils ont réussi et ils ont été aimés. Niang, Moussa Sow, par exemple. Ils ont gagné le titre, ils ont réussi, les supporters n'ont pas oublié ces joueurs. Dans ce contexte, est-ce que tu peux dire quelque chose? Est-ce que tu as également parlé avec eux, avec Moussa ou Mamadou? Oui, j'ai parlé avec Moussa. Il m'a souhaité bien arriver ici. Il a prié pour moi, pour que Dieu facilite la mission. Et oui, il y a beaucoup de joueurs qui sont venus ici. Ils ont bien fait. Moi, je suis venu ici aussi pour donner ma contribution pour l'équipe, pour faire le maximum. Et je suis content. Je suis ici, je suis content. Et maintenant, je sais que je dois faire le maximum pour aider l'équipe à rejoindre les objectifs. Evet, buraya gelmeden önce Moussa Sow'la konuştum. Bana başarılar diledi. Benim için dua ettiğini söyledi ve kolaylık diledi. Ben de burada iyi işler çıkarmak istiyorum onlar gibi ve takımıma katkıda bulunmak istiyorum. Ve burada olduğum müddetçe her zaman maksimumumu sergilemek istiyorum. Elbette ki burada olduğum için çok mutluyum. Burada en büyük hedefim takımıma yardımcı olmak ve hedefe giden yolda takımım için maksimumu ortaya koymak olacaktır. Volkan Bey. Bienvenue. Je vais demander que tu joues comme l'attaquant, derrière l'attaquant, comme deuxième attaquant ou l'ailier. Des fois à Kasımpaşa, tu as changé ta position, tes postes. Ils disent toujours, les joueurs disent toujours que si je joue titulaire, ce n'est pas important la position. Alors, c'est la meilleure position, c'est quoi pour toi? Oui, pour le moment, pour moi, je pense que vraiment c'est important l'équipe, comment l'entraîneur il veut jouer. Et moi, j'ai joué beaucoup de matchs sur le côté gauche et je peux jouer comme deuxième attaquant ou premier attaquant aussi sur le côté droit. Et c'est vrai, l'important c'est que l'entraîneur il voit là où il a besoin. Et quand il a besoin, nous on est là, on est disponible et c'est bien, c'est ça. Mais partout où je joue, pour moi c'est le même. Bence takımın ortaya koymuş olduğu performans çok önemli bu noktada. Ben çok fazla pozisyonda oynadım. Sol tarafta da oynadım. Sol açık olarak oynadım. İkinci forvet oynadım. İkinci forvet olarak da oynadım ve sağ açıkta da oynadım. Fakat burada önemli olan nokta hocanın bana nerede ihtiyacı olduğu, beni nerede gördüğü. Bu anlamda ben çalışmalarımı sürdürmek mecburiyetindeyim. Tabii ki hocamın istediği pozisyonda ben oynamaya her zaman hazırım. Her yerde oynamak, her yerde göreve hazır olmak benim için çok daha önemli. Yaz Bey. Bienvenue tout d'abord. Moi je vais ajouter la question dernière. Quand tu jouais sur le côté gauche, tu contribuais plus.
contre beaucoup. Est-ce que tu as parlé avec Erol Hoca sur ta poste? Dans quel poste tu vas jouer? Est-ce que tu as parlé avec lui? Parce que dans les médias sociaux, ils vont toujours la formation. Est-ce que tu as fait une conversation avec l'entraîneur sur ta poste? Oui, je n'ai pas encore parlé avec l'entraîneur pour ce qui regarde la position. Parce que de toute façon, lui, il sait que moi, je peux jouer toutes les positions. Donc, il peut utiliser comme pointe, comme ailier. Et je n'ai pas encore parlé avec lui exactement de ça. Parce que lui, il pense que je peux faire toutes les positions. Mais on va en discuter plus tard. Maintenant, on est en préparation. On essaie de trouver la meilleure position pour toute l'équipe en général. Et quand ça va arriver le moment, Inch'Allah, on va en discuter. Hocamız da henüz bu konuyla ilgili bir konuşmamız olmadı. Zaten o da benim bu pozisyonlarda solda olsun, forvet olsun, sağda olsun oynadığımı gayet iyi biliyor. Tabii ki zamanı geldiğinde bu tip konularla ilgili de oturup konuşacağız hocamızla. Şu an itibariyle hazırlık sürecindeyiz ve takım olarak neyi daha iyi yapabileceğimizi görmeye çalışıyoruz. Demiş olduğum gibi zamanı geldiğinde hocamızla bu konuyu görüşebiliriz. Merci. Öncelikle... Alors, bonjour. Premièrement, l'année dernière, 26 matchs, 12 buts, 5 passes décisives. C'était une bonne prestation pour toi. Fenerbahçe est également un très important club. Qu'est-ce que tu as ressenti quand ils ont proposé? Et dans le match amical, ils t'ont donné la chance. Ils ont donné un bon, les commentaires positifs. Comment tu seras cette saison pour supporter? Comment ils vont le garder? Si, vraiment, j'étais content. Et quand j'ai appris que Fenerbahçe me voulait, même ma femme, elle disait « va Fenerbahçe », elle avait insisté sur ça. Et je suis content d'être ici. Et vraiment, j'ai joué match amical, j'ai connu un peu les coéquipiers, même si c'était le premier match. Je suis content. Moi, je peux dire toujours que ce qui va arriver, je ne sais pas, Dieu il sait. Mais moi, je vais donner toujours mon maximum pour l'équipe, pour rejoindre son objectif, Inch'Allah. Evet, burada olduğum için öncelikle tekrar mutlu olduğumu söyleyeyim. Tabii ki kulübün Fenerbahçe'nin beni istediğini duyduğumda çok çok mutlu oldum. Zaten eşim de keza aynı dilekleri taşıyordu ve bana gitmem gerektiğini, ısrarla gitmem gerektiğini o da söyledi. Hazırlık maçı oynadık sizin de söylediğiniz gibi. O maç içerisinde takım arkadaşlarımı tanıma fırsatı buldum. İlk maç olmasına rağmen benim için önemliydi. Tabii ki Allah daha iyi biliyor ileride neler olacağını ama ben burada olduğum sürece maksimumu sergilemeye devam edeceğim, sergilemeye çalışacağım. Ozan Bey. Ozan Koçarıya. Kendisi... Bienvenue tout d'abord. L'année dernière, tu jouais comme ailier gauche. Alors maintenant, on a besoin également d'un attaquant. Peut-être qu'il y aura des joueurs qui partent pas. Est-ce que tu penses que tu es confortable, tu es prêt pour jouer comme un attaquant maintenant? Oui, moi je suis prêt. Je suis prêt pour jouer comme attaquant, comme ailier, comme j'ai déjà dit. Je suis prêt et ça dépend de l'entraîneur où il me met et moi je vais réagir, ça c'est pas un problème. Donc pour être prêt, je suis vraiment prêt pour jouer n'importe quel poste ici. Evet, ben hazırım. Biraz önce de söylemiş olduğum gibi kanat da oynamaya, forvet de oynamaya her zaman hazırım. Tabii ki hocanın isteği, hocanın kararı çok önemli bu noktada. Benim için hangi pozisyonda oynayacak olmam çok fazla önemli değil. Önemli olan o pozisyonlarda en iyimi sergileyecek olmam. Barış Bey. Bienvenue. Je te souhaite le succès ici. Comme ils ont demandé la question sur les joueurs Sénégal. Est-ce que tu veux donner une bonne prestation à Fenerbahçe comme les autres joueurs? Est-ce que tu as quelque chose que tu fais pour ramener les chances avant les matchs? Est-ce que tu fais quelque chose comme ça? Non, moi, comme d'habitude, j'ai ma vie privée avec la religion. Je respecte beaucoup la religion. Et pour ce qui regarde les choses avant le match, moi, je suis tranquille. Seulement, je prie Dieu pour que ça se passe bien pour l'équipe. Et si, comme les joueurs sénégalais ils sont dit, j'ai déjà dit, je suis ici et je regarde ma route. Je veux faire le maximum pour l'équipe et c'est ça qui est important pour moi, chaque match.
Evet, ben dinime bağlı bir insanım. Maçtan önce böyle yapmış olduğum spesifik bir uğur yok. Daha çok dua ediyorum. Hem kendim için hem de takımın iyi gitmesi adına, takımın galibiyeti adına maçtan önce böyle bir duam oluyor. Şu anda buradayım. Bahsetmiş olduğunuz ikinci soruya gelecek olursam. Ben kendi yoluma bakıyorum. Pardon, kendi geleceğime bakıyorum. Ve bu anlamda oynadığım her maçta da maksimumu ortaya koyacağımdan emin olabilirsiniz. Ahmet Bey. Dans ton carrière, Inter, Juventus, tu as joué dans ces niveaux et après tu as diminué un petit peu le rythme, mais après tu as gagné le rythme de nouveau avec Kasım Paşa. Comment tu regardes le foot? Quelle est ta perspective? Quels sont tes objectifs après ici? Quel est ton objectif en fait? Il demande après une autre question. Oui, comme lui il sait bien, et j'ai passé devant d'importantes équipes quand j'étais petit. Je pouvais faire un autre choix d'aller dans une équipe plus moyenne pour pouvoir trouver plus de temps de jeu. Mais je suis allé directement dans les grandes équipes, donc je n'ai pas pu trouver beaucoup de temps, mais j'ai appris beaucoup de choses. Et je suis ici à Fenerbahçe et je suis vraiment content d'être ici. Je suis ici, je veux aussi démontrer le maximum pour l'équipe, pour qu'il gagne ce qu'il veut gagner. Et mon objectif toujours, comme je l'ai dit, je regarde toujours le présent. Maintenant, je suis ici et je vais faire le maximum pour Fenerbahçe et après, on va voir ce qui va arriver en futur. Evet, sizin de söylemiş olduğunuz gibi bu kulüplerde gençken önemli takımlarda oynadım. Ve büyük takımlara aslında geçme periyodum birazcık daha hızlı oldu. Fakat çok fazla şey öğrendiğimi de aynı şekilde söyleyebilirim. Ben her zaman şu ana bakan bir insanım, şu anı yaşayan bir insanım ve burada olmaktan dolayı, Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok memnunum. Biraz önce de söylediğim gibi benim amacım tabii ki de burada maksimumu göstermek. Hedefim de yine şu ana odaklanıp, şu an yapabileceklerime odaklanıp ona göre sonrasında geleceği görmek olacak. Ama şu an için maksimumu ortaya koymak asıl amacım. Bir de şunu sormak istiyorum. Une autre question, c'est que tu connais déjà notre division. L'année dernière, Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, ils ont fait la compétition pour gagner le titre. Comment tu trouves la chance de Fenerbahçe? Qu'est-ce que tu peux dire pour gagner le titre pour le nom de Fenerbahçe? Moi, je crois que Fenerbahçe, ils ont vraiment une bonne équipe. Même l'année passée, ils ont eu vraiment une bonne équipe. Et cette année aussi, c'est la même chose. Et j'ai parlé avec le président. Et nous, moi, je suis ici et je suis vraiment content. Et je veux faire quelque chose d'important. Et je sais qu'on a les capacités pour faire quelque chose d'important pour les supporters. Evet, Fenerbahçe her zaman büyük bir takımdır. Geçen sene de öyleydi, bu sene de öyle. Bizim her zaman şansımız var. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin büyük bir kapasitesi de var şampiyon olmak adına. Biz de bu kapasitemizi ortaya koyup taraftarlarımızı bu anlamda mutlu etmek istiyoruz. İki soru daha alalım, son soru olacak. La dernière question. Le transfert, le processus de transfert continue. Il y a les joueurs qui ont participé, importants, les joueurs importants, et ils continuent à participer. Surtout, Fenerbahçe a fait les transferts de la division turque. Peut-être tu ne veux pas casser les autres, mais qui, sauf toi, quel transfert t'excite plus à Fenerbahçe? Vraiment, c'est quelque chose de difficile parce que moi, vraiment, je ne regarde pas ce qui arrive dans les bureaux. Moi, je regarde seulement ce qui arrive dans le terrain. Je suis concentré sur le terrain. Fenerbahçe, les dirigeants de Fenerbahçe et le président, l'entraîneur, ils savent mieux ce qu'ils ont besoin pour l'équipe. Et moi, je suis tranquille, je suis concentré dans mon jeu et j'espère que celui qui va arriver, il va donner une main pour rejoindre notre objectif. İnşallah. Evet, bu aslında zor bir soru. Benim için önemli olan sahada oyuncuların ne yapması gerektiği ya da hangi performansı sergiledikleri. Ben bu konuda böyle düşünüyorum. Tabii ki de yöneticilerimiz, başkanımız ve hocamız, antrenörlerimiz bu konudaki yorumları daha önemli olacaktır benden ziyade. Ben tabii ki de saha içerisinde yapacağım şeye, başarıma ve performansıma konsantre olacağım. Ve bu şekilde de umuyorum hem ben hem de gelecek oyuncular, hem şu anki oyuncular Fenerbahçe'nin hedefi için savaşacağız. Son iki soru diyelim. De dernière question. Son iki soru soracağım kendisine. İlki, kendisini en
rahat hissettiği ve verimli gördüğü formasyon hangisi? C'est lequel formation tu sens mieux? Dans l'équipe. Je réponds à mes questions. C'était la question. Gelişimine hepimiz tanık olduk. On a vu ton progrès. Şu anda çok büyük bir kulüpte. Maintenant, tu es dans un grand club. Avrupa'da izlediği, takip ettiği, tarzını örnek aldığı bir futbolcu var. Est-ce qu'il y a un joueur dans l'Europe, un joueur que tu suis ou tu prends un exemple ton style, son style? Oui, vraiment, moi pour les formations, moi j'ai joué avec beaucoup de formations, 4-3-3, 4-2-3-1 et 3-5-2 aussi, on a essayé l'autre jour, je me suis trouvé bien. Et la formation qui va arriver, on va essayer de s'adapter pour l'équipe, tu vois, c'est ça qui est important. Pour ce qui regarde le joueur que j'ai suivi beaucoup de temps, c'est Ronaldo. J'ai suivi beaucoup de temps lui parce que comme moi, lui il joue aussi sur le côté des fois au milieu. J'ai suivi beaucoup de fois ses mouvements et j'aime bien comment il joue. Diziliş olarak çok fazla diziliş pozisyonunda oynadığımı söyleyebilirim. 4-3-3 gibi, 4-3-2-1 gibi, 4-5-1 gibi bu tip sistemlerde oynadım. Fakat önemli olan futbolcunun bu sisteme ayak uydurması ve adapte olmasıdır. Avrupa'dan takip ettiğim oyuncu sorusuna gelecek olursak da Ronaldo'yu takip ediyorum. Onun oynamış olduğu mevkilerdeki o hareketliliği ve kalitesi benim açımdan önemli ve heyecanlandı. Beni heyecanlandıran bir oyuncu. Son soru. La question dernière. On dit les joueurs disent toujours que la Ligue turque c'est un petit peu dur parce qu'ils taquent beaucoup, ils taquent fortement. Qu'est-ce que tu peux dire sur ces situations physiquement plus? Oui, c'est vrai, c'est vraiment un championnat physique qui a beaucoup de courses, il y a beaucoup de contacts physiques. Mais c'est un bon rythme, c'est vraiment un bon rythme et c'est pas facile. On a vu l'année passée et pour que quelqu'un il gagne, c'est toujours difficile. Chaque équipe, il peut gagner une autre équipe. Donc ça veut dire que vraiment il y a un rythme dans la ligue et nous il faut qu'on soit prêt et on va donner toujours ce qu'on peut faire pour gagner, inchallah. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ligimiz gerçekten fiziksel güce dayanan bir lig. Çok fazla kontak oluyor, çok fazla temasın olduğu bir ligde oynuyoruz. Fakat bu aynı şekilde iyi bir ritim de oluşturuyor takımlar adına. İyi bir tempo da oluşturuyor. Ve kolay da değil tabii ki bu tip maçlarda oynamak. Ve bu tip maçları kazanmak her zaman kolay olmuyor bu doğrultuda. Her takım birbirini yenebiliyor ligde. Biz kendi açımızdan bakacak olursak her zaman hazır olmak zorundayız ve kazanmak için elimizden gelen her şeyi sergilemek durumundayız. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Merci beaucoup à tous. Teşekkürler. Her zaman olduğu gibi formasıyla birlikte. Alors, tu vas prendre ton maillot. Bu sezonun en güzel formalarından bir tanesi. C'est l'un des meilleurs maillots de ce sezon. Merhaba.